Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Light as torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. Voilà de quoi améliorer la situation. La générale en parlait depuis très longtemps. On a de la compagnie. Qui vous a autorisé à retirer votre casque? Pardon, mon capitaine. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Eh bien, salut à toutes et tous les amis, c'est Palofs, on se retrouve pour un épisode qui devrait vous être familier de Lego Star Wars, la saga de Skywalker. C'est parce qu'on est dans l'épisode Le Réveil de la Force. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous rappelle qu'on avait déjà fait Lego Star Wars 7, Le Réveil de la Force, il y a un petit moment déjà, on l'avait fait à la sortie. Donc voilà, ce qui veut dire que ce niveau devrait vous être normalement familier. On est avec Podavron et BB8. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va nickel. On est parti pour cet épisode. Et du coup on entame la dernière trilogie. Par toi. Dégage. Allez, on est parti. Et on commence tout de suite. Allez. Oula. C'est tout bon. Allez, c'est parti. Elle sera plus en sécurité avec toi qu'avec moi. La carte pour retrouver Skywalker. La résistance ne se laissera pas intimider par vous. Elle est dans une unité WB. Si elle est sur Jakku, on la trouvera vite. Je vous laisse faire. D'où est-ce que tu viens? Dido, il s'intéresse à tes pièces. Mais juste pour cette nuit, alors. Après, tu t'en vas. Ok, donc on est avec Rey. Maintenant, et toujours BB-8. De toute façon, BB-8 qui sera important, on va dire, pour le début. C'est parti. Et peut-être le premier niveau d'ailleurs. Je vous rappelle qu'il y en a 5. Demain matin, tu t'en vas. Y'a pas de quoi. Écoute-moi bien. Si tu fais exactement ce que je te dis, je peux te sortir de là. Quoi ? Je viens te sauver. Je te propose de t'évader. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Parce que c'est mon devoir. Tu cherches un pilote?
Je cherche un pilote. C'est vous parce que, pour autant... Vous savez piloter un chasseur TIE ? Je sais tout piloter. Bien, allons au hangar. Pour autant, on a les... On l'a fait, le réveil de la force, comme je l'ai dit. ATA-87, tu es chargé du prisonnier, sympa. Sauf que, enfin, vous voyez... J'ai pas l'impression. Enfin, on l'a pas vraiment fait comme ça, en fait. Emmenez ce prisonnier au bloc de détention, circulez. Comment tu comptes me faire passer les gardes? Je vais me débrouiller. On n'en sait rien. Ça veut dire qu'on n'en sait rien. Tu vois cet officier passer la porte à gauche? Je pense que c'est notre meilleure chance de me trouver une tenue adaptée. Qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, ah ok, on est en niveau. On est en niveau, ok. Donc oui, enfin... En tout cas, les niveaux seront pas les mêmes que dans le réveil de la porte, on aura peut-être moins. Ou plus, je sais pas. Bon bah, vous savez ce que ça veut dire. Un dessert? Pardon, un déserteur! Allez, c'est parti! Ok. Qui c'est qui tire? Toi. Dégage. Ok. Là, on a une construction qu'on peut faire. Je crois qu'on avait peut-être pas besoin de tuer en fait. Tant pis. Oh, quoique, ça m'a l'air bien optionnel, ça. Oui, non, c'est optionnel. Ok, on avance. Il faut qu'on monte dans ce chasseur TIE, là-bas. Ok, comment on s'y prend? Mon plan se limitait à monter dans un chasseur TIE. Ok, ça va le faire. Enfin, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça brille maintenant? Ok. Ok, alors, du coup. Du coup. Du coup. C'est limite trop grand en fait cette zone. Je sais pas du tout comment l'explorer. Ok. On réussit une mission, je sais pas comment on réussit. On va tomber dans le seul trou du monde qui existe. Petit ça. Calme. Ok, donc là il nous faudrait un sabre qu'on n'a pas. FN, hein. Finn. Je vais t'appeler Finn. D'accord? Finn! J'aime bien ça! Ok, par contre, vraie question. Je peux poser une question par rapport aux mini-kits. Est-ce que les mini-kits, on les obtient dans les niveaux? Vu qu'en fait, le niveau, pour moi, le niveau se joue dans l'open world.
Du coup, est-ce qu'on peut obtenir les niveaux dans l'open world ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas. Dès qu'on sera débarrassé de ces câbles, on se tire d'ici. Il faut qu'on retourne sur Jakku. Je dois retrouver mon droïde. Non, non, non! On peut pas retourner sur Jakku! Ce droïde a en mémoire une carte conduisant à Luke Skywalker. Skywalker? Rien que ça. Donc, si, on va retourner là-bas. Et tu fais pas yesh. Ça craint. Allez, viens. Il ne faut pas désespérer. Je sais pas qui t'a perdu, mais tu peux encore le retrouver. La voix de Rey fait bizarre. Je vous le dis clairement, mais bon. C'est le temps qu'on s'habitue. Ok, donc on a fini le premier niveau. Encore, on aurait pu débloquer mal de Stormtrooper. Je vais t'emmener à Nima. Mais j'ai une petite course à faire avant ça. Allez, on est reparti. Bon. On va vers une autre prochaine distinction. Excusez-moi, il y a des petits coups de hockey. Ouais, la voix de... Enfin, en fait, disons que la voix de Rey, il me semble que c'est pas celle des films. Et c'est pas non plus celle qu'il y a dans le précédent. J'ai cru qu'elle était en mode typo, je fais quoi? Pas un bug comme ça. Mais non. Enfin, mais donc voilà, enfin, c'est vraiment juste l'identité. Bonjour. Tout d'abord, tu vas m'aider à ramasser de la ferraille. Unkar Plutt a tendance à être de plus en plus difficile en affaires. Sinon, je n'aurai rien pour me nourrir cette semaine. Et je ne pourrai plus t'aider. Ok, j'ai compris, s'il vous plaît. Ok, donc on n'est pas au niveau là. Ok, elle n'a pas d'arme à feu. Ce que je regarde. Bon, pour le moment, baladons-nous. On va juste faire regarder. Peut-être que si je bricolais quelque chose, je pourrais atteindre ces pièces. Ok, donc on en a deux. Ah, oh, ah. Ok, on peut crafter des choses avec Rey aussi. Ok. Enfin, peut-être avec tout le monde en fait. J'ai pas essayé dans le hub, mais ça se trouve avec tout le monde on peut. Avec tout le monde on a ça se trouve un système de craft. Je ne sais pas. C'est tout prêt. Peut-être que si je construisais quelque chose, je pourrais les atteindre. On a le planeur. Parfait. Dégage. Ouais, peut-être qu'avec tous finalement. Bah, ça me paraît très surprenant en fait qu'il n'y ait que eux qui puissent. Mais bon. T'es au BB8. Donc oui, je connais peut-être un petit peu mieux cette trilogie. Enfin, je la connais un petit peu mieux. Parce qu'elle est plutôt récente, on va pas se cacher. Je peux utiliser ça, ok. Parce qu'elle est plus récente, mais je la connais peut-être un petit peu mieux.
Quoi? Ah, peut-être que je mets des équipes de... Peut-être que je mets des équipes de ça en fait. Voilà. Sûrement. Oh non! Non, équipe de planeur. Oh voilà, comme ça. Je pense que je dois avoir les outils pour construire de quoi m'aider. Tac. Ok, donc c'est en gros la même chose qu'avec les Wookiees. Pour faire très très simple. On va aller planer là-bas. Oh, et ça va peut-être même... J'allais dire, ça va peut-être même passer, mais non. Le jeu m'a clairement dit non. Donc bon. Merci à toi, bébé 8. Ok, suivant. Il y en a une là. Bébé 8, il y en a un là-haut. Tac, il y en a une. Il y en a une là, a priori. Ok, vu. Vu. Et le dernier, il est... Enfin, les deux derniers, ils sont là-bas. Oula, pas du tout. C'est ça que je veux. Tac. Ça devrait suffire pour obtenir une ou deux portions auprès d'Unkarplot. Allons à l'avant-poste de Nima. Pareil, ça c'est des choses qu'on n'a jamais fait en sortant dans le réveil de la force. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que mine de rien, on l'a en soi déjà fait, mais c'est totalement différent. Enfin, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Ok, par là. C'est par où? Par là. Allez, on y arrive. On s'en rapproche. Allez. On y est. Tu viens faire du troc. Montre-moi. Ces 5 pièces valent une demi-portion. Il y a une semaine, c'était une demi-portion pièce. Et le droïde? Le droïde n'est pas à vendre. Je suis prêt à le payer 60 portions. Viens, bébé 8. De l'eau! De l'eau! Oh. Partons d'ici. Munakri, yana droid Unkarplot. Puisque Unkar ne peut pas acheter le droïde, alors il veut me le voler, c'est ça? C'est ce qu'on va voir. Quoi? Non mais plus quoi encore? Allô? Qu'est-ce que tu fais au juste? Je te donne un coup de main? Je t'ai rien demandé.
Oh, on les a tous eus ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au ! Eh, quoi ? Le blouson. Le droïde dit que tu l'as volé. C'était le blouson de Podamron. Il avait été capturé. Par le premier ordre ! Je l'ai aidé à s'évader, mais notre chasseur a été abattu ! Tu appartiens à la Résistance. Exactement. BB-8 dit qu'il a une mission secrète. Il doit rejoindre votre base. Il paraît qu'il a une carte qui permet de localiser Luke Skywalker. Et tout le monde court après. Luke Skywalker ? Allez, viens ! Ok, on dégage ! On peut pas aller plus vite ! Si ! Avec ce quad jumper ! Alors ? Ok, faut que je trouve... là-bas. Vite ! Attention ! Hop là ! Tu parles d'aller plus vite ? Là ! Un autre quad jumper ! Mais comment on va faire pour monter à bord ? Il est verrouillé ! Je crois que j'ai une idée ! Ok. Vite. On avance. Qu'est-ce que tu fasses ? Faut détruire ? Non. Ça, faut détruire. Par contre, on en parle, car vient de rencontrer DD8. BB8, pardon. Et ils sont déjà cuits et chemises. Bref. Écoute, au bout d'un moment, pour résumer. Super. Quoi ? Vite ! Allons vers ce quad jumper ! Cours ! Comme si ta vie en dépendait ! Pourquoi pas ce vaisseau ? C'est un tas de ferraille ! Le tas de ferraille fera l'affaire ! Cours comme si ta vie en dépendait, parce que ta vie en dépend cette fois. Ah, c'est ça que t'appelles le tas de ferraille ? Ok, on est parti en vaisseau. En Razmot, compris. Je trouve que je m'en sors pas trop mal. Sûr que ce vieux tas de ferraille tienne le coup. Oups, on a eu un mini kit. Bon, vous avez rien. Hein ? Solitude ! Hey,
Continue de me les servir sur un plateau. C'est pas vrai, je suis pas du tout en train d'essayer de récupérer un maximum de pièces. Bien joué. Ok, on continue. S'il vous plaît, vous avez vu quel vaisseau vous parlez? Attends un peu que j'enlève le compresseur du circuit d'allumage. C'est quoi ça, 3 sur 4? Un nouveau moins. Ils vont nous repérer. Surtout reste en Razmot. Me dis pas ce que tu dois faire, oui. Je commence à assurer. 7. Essaye de voler encore plus bas que ça, ou on va se faire repérer. C'est pas grave, on se fera repérer. J'arrive pas à croire que BB-8 possède une carte conduisant à Luke Skywalker. Oui, la résistance. Enfin. Nous avons besoin de cette carte. Alors échappons au premier ordre et vite. Pas mal pour un tas de ferraille. Désolé, on vole trop haut. Qui t'a appris à piloter? Personne. J'ai déjà piloté, mais j'ai jamais quitté la planète. Tu m'impressionnes. Tu vas devoir les semer. C'est parti. Ok, pourquoi? Ils sont où? Ils sont où? Il faut pas voler plus haut que ça. Et on est bon. On va entrer dans l'épave de ce destroyer stellaire. T'inquiète pas, me balader dans les épaves, c'est mon quotidien. Nous ne parviendrons pas à faire exploser ce moteur avec ces canons. Il nous faut une arme plus lourde, comme une torpille à protons. Mais j'y pense, ces TIE pourraient avoir les torpilles à protons dont nous avons besoin. Ok, on a une torpille. Vite. Feu. Les pilotes de TIE du premier ordre sont les meilleurs que j'ai jamais vus. Nous devons faire attention. Bébé, vite. Tu tiens le coup? C'est notre chance. Ils sont juste devant nous. On dirait que tu connais cet endroit comme ta poche. Non, j'y vais au hasard. Et si on fonce tout droit dans une impasse? Tant pis. Attends, on est encore en vie, non? Voilà! À nous de jouer! Dégage! BB-8, ça va toujours? Excuse-moi. On les laissera pas t'emmener, je te le promets. Une petite pièce violette qui me donne le 100% pièce, ça c'est cool. Ok, le dernier il est là.
C'est bon. Mon dieu, le bordel. Tout va bien. Il appartient à la résistance. Donne-moi un coup de main, vite. Entre nous, j'ai jamais été dans la résistance, ok? Je veux juste échapper au premier ordre. Et si tu nous dis où est la base, je te dépose au passage, d'accord? Alors elle est où, cette base? Vas-y, bébé 8, dis-lui. Dans le système d'Illinium? Exactement, oui. Il faut que tu nous emmènes là-bas le plus vite possible. Bon. Donc Finn est un escroc. Préparez-vous à passer en vitesse lumière, direction le système d'Illinium. Allez, on est parti. On continue. C'est le premier ordre. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas se laisser faire. Où avez-vous trouvé ce vaisseau? Me dites pas qu'un Raftar s'est échappé. Oh non, pas eux. Les soldats de la sécurité des Guaviens, descendez et ne bougez pas avant que je vous le dise. Han Solo, on veut notre argent tout de suite. Tu crois que ça coûte rien de chasser le Raftar? Et le Kanji Club veut aussi récupérer son argent. Le W est là. Le premier ordre recherche un droïde qui ressemble à ça et deux fugitifs. Si on ferme les portes anti-souffle du couloir, les deux bandes vont se retrouver coincées. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. On n'aurait jamais dû faire ça. Ok, on est parti. Ok, on est en niveau. Allez, ok, c'est ouvert. Viens de libérer un autre Raftar. 3 Raftar, 4 Raftar, quelle différence! Une pièce après. Plus un geste, Solo. Le droïde vient avec nous. Non, c'est plutôt vous qui venez avec nous. C'est ce que je comprends. Quel timing. Allons-y. Ok. Wow. Ils nous retrouveront là-bas. Faut qu'on trouve un moyen de retourner au faucon, de préférence sans se faire dévorer. Ah bon? Les portes sont en verrouillage automatique en attendant qu'on se débarrasse de ce Raftar. Je suis quasiment sûr d'avoir laissé un truc anti-Raftar dans une de ces caisses. Ok, donc ça je peux rien faire. Là. Parfait. C'est formidable, on avance. Ok, donc là, il va falloir qu'on passe avec l'équipe de Rey. Il faut faire sortir ce Raftar de la cage d'ascenseur. Ok, donc hop, on va s'occuper de ça deux petites secondes. Dans un premier temps, récupérons de la tunasse. Alors, du coup.
Boum. Et je pense qu'on actionne. Et on appuie. Finn, regarde. On vous envoie quelque chose. Utilisez-le pour faire sortir ce raptor. Ok. Là-haut. Allez, c'est parti. Dégage. Suivant. Rip. Rip. Nous allons au faucon. Trouver un moyen de nous y rejoindre. Mais nous ne savons pas où nous sommes. À la bonne heure. On accumule une sacrée prime depuis plusieurs années. Je me demande à combien elle peut s'élever. Ah ouais, mais t'es mignon. Attention, la tourelle est hors de contrôle. Ok, ça va. Ils sont venus avec toute leur bande ou quoi? Tac, on se fait quelques pièces. Ne laissez pas Solo s'échapper. Tac. Alors, voyons voir. Emparez-vous de ce droïde. Où sont les gens? Faut aller par là. Faut aller par là. Tu viens avec nous, Solo. Ou pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai prévu autre chose, franchement. Fallait prévenir à l'avance aussi. La porte de B8 ça. Qu'est-ce que je pense faire? Peut-être avec Ray. Ah voilà. Ok, on appuie sur le bouton. Ok. Et non, vous avez vu, même au niveau, on peut crafter. Donc, je sais pas si on peut crafter avec tout le monde ou si ça dépend des personnages. Je ne sais pas. Peut-être que libérer ces radars était une bonne chose. Ça passe. On en reparlera quand on aura rejoint le faucon. Ce vaisseau n'est vraiment pas aux normes. On va finir par se blesser. À moins qu'on ne se fasse manger par un radar d'abord. Super. Super. Très très joyeux. Dégage. On continue. On dirait qu'il n'y a pas que des ratards dans ce vaisseau. Couché. Ok. Du coup. Ah,
Tac. On met ça là. On appuie sur le bouton. Du coup, BB-8, tu peux faire ça. Ok. On va prendre le... Han Solo. Chewie, les blocs de confinement. Tu crois vraiment que ça va nous empêcher d'avancer? Tac, là... Quelques petites pièces. Que là on avance. Quel intérêt? Là-bas. Tac, on appuie sur le bouton. Et donc... Ok, on le remet dedans, je pense. Ah non. Ah. Ok. J'avais pas compris. Oui, je l'ai vu le mi-kit. Plus de pièces. Oh, enfin, plus de pièces, oui, non, en fait. Sympathique. On en parle que maintenant le jeu n'a plus de pitié pour à nous donner des pièces violettes. On y est presque. Le faucon est juste là. Boum, allez. Le faucon, on y va. Tiens, vas-y, je vais... Vite. Allez. Non, 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 non. Finn. Arrête. Finn. Aidez-moi. Finn. On arrive.
terre, on arrive. Voilà. Il me tenait, et tout à coup. La porte, oui. Voilà, tais-toi. Mon Dieu. Ok. Bonjour. Dégage. Salut. Bah, je crois qu'on les a rejoints. On a réussi. On a besoin que cette grue marche. Mais on dirait qu'elle ne peut être activée que par un droïde. Regardez, BB-8 devrait pouvoir activer cette grue. Ok, vas-y, BB-8. Ok. Ok. On récupère les petites pièces. On appuie sur le bouton. Et on a le premier qui est ouvert, ok. Donc je confirme que je peux pas craft avec avec Chewbacca. Dégage. Salut. Finn, je crois que je peux atteindre ce levier. Oui, bah vas-y. Je parie que la fille pourra atteindre le levier. Où est-elle? Comment tu veux atteindre le levier? Ah. Ok, par là. Vite. Enfin tout le monde du coup en fait, c'est avec ton objet que tu peux. Ah quoi que ça, est-ce que tout le monde peut le faire? Je ne sais pas. Et c'est ouvert. Salut. À la pousser, on part en vitesse lumière. Accrochez-vous derrière. Dites au premier ordre que Han Solo a le droïde qu'ils veulent à bord du Faucon Millennium. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Par la grâce de votre enseignement, je ne me laisserai pas séduire. L'arme est prête et opérationnelle. Détruisons le pouvoir qui soutient la résistance. La République. Bien, allez superviser les préparatifs. Général. Chercher, hein. Ce droïde doit rejoindre la base de la résistance le plus vite possible. Il a une carte pour retrouver Luke Skywalker. Hein? Ouh. Ah.
Vous voulez que je vous aide? Je vais vous aider. J'ai une amie qui saura où rapatrier le droïde. Deuxième niveau de terminer. Enfin, troisième. J'ai plus. Et où allons-nous rencontrer votre amie exactement? On la trouvera sur Takodana. Le faucon nous y emmènera en un clin d'œil. C'est parti! Donc on va entamer l'avant-dernier niveau. Takodana. C'est sans doute la planète la plus verte de toute la galaxie. Solo, pourquoi on est là déjà? Pour trouver un transport fiable à votre droïde. Fiable? Tu crois que c'est par chance qu'on a retrouvé le faucon, Chewie et moi? Si on a pu le repérer sur nos radars, le premier ordre ne doit pas être loin. Vous voulez que BB-8 rejoigne la résistance? Maz Kanata est notre meilleure option. C'est ici qu'on la trouvera, dans son château. Maz... Han Solo! Oh. Salut Maz! Tu as besoin de quelque chose? Je voudrais que tu aides ce droïde à rejoindre Leia. Non. Il y a beaucoup trop longtemps que tu as déserté la lutte. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Allez, BB-8. Ray, ça va? C'est rien, je vais aller faire un tour. Ok, pour le moment, on suit. Bon, on est pas au niveau. Oh, il me semble que... Oui. Eh, on a une scène importante là. On va avoir une scène assez importante. Oh. On a eu la voix de Yoda. Oh. Super intéressant. Super intéressant comme principe en fait. Non, lui, j'ai pas le choix de le laisser là. Par contre, je pense qu'on va plus faire ça. On va faire ça, ça, voilà. Ok. Cette phase, je m'en souvenais pas dans les films. Enfin, je m'en souvenais pas comme ça dans les films. Je me souviens pas qu'on entendait Yoda en fait. Et voilà. Le sabre laser appartenait à Luke, et avant lui à son père, et maintenant il t'a choisi. Je n'ai rien à voir avec ça. C'était la République, c'est le premier ordre qui a fait ça. Mais où est Ray? Comment est-ce que tu l'as eu? Prends-le et retrouve ton ami. C'est Boyd.
Ils sont là. Donc voilà, final sabre laser. Ray, bon. Ray, où est-elle? C'est pas pour autant qu'il a la force, tout ça. C'est pas un Jedi, il a juste un sabre. Je crois, du moins. La musique va flingue. Oula, y a du monde. Allez. Ouais, par où? Je ne sais pas. Ok, par là. On va juste attendre. Ah, vous. C'est un ami à toi? Pas vraiment. En tout cas, il ne te lâchera pas tant que tu lui auras pas répondu. Allez, raté. Dont j'ai tant entendu parler. La carte. Tu l'as vue. Repliez-vous. Oubliez le droïde. Nous avons ce qu'il nous faut. Il l'a emmené. Vous avez vu? Il l'a capturé et il l'a emmené. Oui, oui, je sais. T'as changé de coiffure? Toujours la même veste? Non, c'est une nouvelle. Il était là. Je l'ai vu, Leia. Notre fils. Nous rentrons à la base de Descartes. On discutera là-bas. Bon, on va sur on va sur Car, je crois. T-Car. Donc vous avez compris. Je vais rien dire, mais vous commencez à comprendre. Leia et Han Solo ont un fils. Qui est Po. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai bien dû recevoir de nouvelles informations. BB-8 vite. Po? Po Dameron? T'es vivant? Finn! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand j'ai repris connaissance, t'étais plus là. Il n'y avait plus de vaisseau, plus rien. BB-8 dit que c'est toi qui l'as sauvé? On ferait mieux d'aller voir la générale. Elle voudra te parler. Viens, BB-8. Han Solo, c'est moi, C-3PO. Vous ne devez certainement pas m'avoir reconnu à cause de mon bras rouge. C'est justement une histoire très intéressante. Qui traites-tu de complaisant? Allez, on continue.
Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB-8 est incomplète. Comment ai-je pu croire que j'allais retrouver Luke et le convaincre de revenir parmi nous ? Les données recueillies pendant le vol de reconnaissance confirment ce qu'a dit Finn. L'étoile de la mort, c'était ça. Et ça, c'est la base Starkiller. L'arme qui a détruit le système Osnir. Hmm ? Mais attendez. C'est en 4K. Le premier ordre vient d'ordonner le rechargement. Notre système est la prochaine cible. D'accord, mais comment on l'a fait exploser ? Cette base est équipée d'une sorte d'oscillateur thermique. Ils ont des boucliers que nos appareils ne peuvent pas traverser. Je peux désactiver les boucliers. Mais il faut que je sois sur place, sur la planète. On va t'y conduire. Ok. On est parti. On va pouvoir rejoindre Starkiller. Mesdames et messieurs, on est parti. Pour la dernière mission. Non, toujours l'avant-dernière. Et il va être super long cet épisode. Mais bon. C'est entre guillemets les premiers épisodes de chaque trilogie, donc c'est normal. La conduite d'eau pluviale est juste derrière. C'est par là qu'on va entrer. Allons retrouver Ray. Où est-ce que je suis ? Tu es mon invité. Je sais que tu as vu la carte. Et maintenant, tu vas me la donner. Je ne vous donnerai rien. Donne-moi la carte ! Jamais. Reste ici. La pilleuse d'épave t'a résisté ? La force est puissante en elle ! Il faut donc frapper la résistance avant qu'il joigne Skywalker. Faites préparer l'arme. Suprême leader, je peux lui extorquer la carte. Amène-la-moi. Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de cette cellule sans verrouiller la porte. Je vais vous libérer de ces entraves et sortir de cette cellule sans verrouiller la porte. Moins on restera, plus on aura de chance de revenir. Les boucliers. Ça ira, j'ai ma petite idée. Ok, on est parti. Les rebelles ont infiltré la base. Éliminez-les immédiatement. Ne m'oblige pas à le faire moi-même. Super. Et maintenant, Phasma ne résistera pas à l'envie de venir personnellement s'occuper de nous. Et c'est là qu'on la forcera à désactiver les boucliers. Simple comme bonjour, hein. Bonne pointe. Captain Phasma. Tu faisais quoi comme boulot quand t'étais ici ? Collecte des ordures. Collecte des ordures ? Tu vas avoir de gros problèmes si Phasma vient ici. C'est le but. C'est pas un mini-kit, on s'en fout. Quoique. Vraiment, pas un mini-kit ? Donne-nous ton test. Pas du tout son arbalète à lui. Ah, Chewbacca. Couvrez-vous.
Ok. Si vous pensez pouvoir détruire cette station de combat, vous vous trompez. Attendez avant que Phasma vous mette la main dessus. Ok. Bon. Allez. Parfait. Mince. Tant pis. Déverrouillez cette porte. J'en ai-je marre de tout ça. Aurais-je entendu un jour. En ces temps difficiles, le cours s'amuse un peu. Pas que là. Le dernier. Where is le dernier? Abattez-les, je rentre du premier rang. Pathétique. Dans ce cas, je vais m'occuper de votre cas personnellement. Captain Phasma. Te v'là, enfant. Nous avons besoin de cette cellule d'énergie pour avoir une chance de capturer Phasma. Bande de lâches, sortez de votre cachette. Votre misérable résistance sera bientôt anéantie. Ça veut dire qu'elle n'entend pas là tout le bordel qu'on fait. Ok, alors on prend ça. Oui, celle-là. Si elle pose un pied là-dessus, elle va avoir le choc de sa vie. J'ai l'impression que ça te plaît un peu trop, gamin. Je pensais que vous aimiez commander, Phasma. Ha! Montrez-moi ce dont vous êtes capable en maîtrisant ces intrus. Quoi, vraiment ? Encore ? Ce plan ne marchera que si nous utilisons cette cellule d'énergie. Ouais, j'ai pas de cellule d'énergie, moi. Merci. Ce fut simple. Je m'attendais pas autant. Ah, aussi simple. Quoi? Ah oui, ok.
se promène tranquillement sous ce pont inoffensif et la seconde d'après, BAM! Chut! Emmenons-la dans la salle des commandes. De là, on pourra désactiver le bouclier. Je ne commettrai pas deux fois la même erreur. Bah si. Allez, avance! Ouvrez la porte, maintenant! Ne criez pas victoire trop vite. Votre misérable résistance ne détruira... Vous voulez que j'explose votre casque? Désactivez les boucliers! Vous commettez une grave erreur. Que là. Boum boum. Par contre, on en parle qu'on a plus de sabre laser, en fait, je tilt. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Il y a un conduit à ordures et un compacteur. Excellente idée. Hein? Ah. Finn, qu'est-ce que tu fais là? Plus tard, les embrassades. Faut qu'on sorte de là. Genre, on n'a pas de combat contre elle. Enfin, on n'a pas de vrai combat contre elle. Ok. Bouclier désactivé. Bon, en même temps, on l'a déjà dans le réveil de la force. On vise le cœur de l'oscillateur et on met ça autant de fois que nécessaire. Ah, en plein dedans. Mais ça n'a pas fait de dégâts. On a mis un plein d'explosifs dans son sac. On n'a qu'à s'en servir. Si vous voulez entrer, je vais devoir trouver le boîtier de raccordement. Cette fille sait ce qu'elle fait. Ok. Allez, on est parti du coup pour le dernier niveau. D'accord, je vais mettre les mains dans le cambouis, j'arrive. On est parti. Et vous avez vu le nombre de pièces qu'on a? Lol. Allez, c'est parti. On y va. Il faut qu'on se tienne prêt devant la porte quand Rel ouvrira. Bien joué. Tu veux tout faire exploser ou quoi? Eh, quand je les ai fait tomber, on n'était pas infiltrés dans une base du premier ordre. Le faucon n'a rien eu en plus. Viens, on a une mission à accomplir. C'était quoi ça? Ok, dehors. Lui, c'est fait. Suivant. La passerelle est bloquée. On peut pas juste déposer les charges ici? T'es vraiment un perfectionniste. Ok, alors trouvons un moyen de passer. Roule ou toi? Furtive. Bizarre. Appelle au renfort, pile où je me trouve. Pour le premier ordre, j'y vais.
Voilà, et toi? Merci. Quoi? Oui, c'est où? Tu as mis ça? Bah! Bah! Comment que j'en ai plus en fait? Ok, en fait j'en ai plus. C'est pour ça, c'est parce que j'en ai plus. Ok, il y en a un là qui roule. Tu m'en débarrasser. Dégage. Que là. On dégage. Oh, il y a du monde. Il est où? Ça va, t'es bien caché? Ok, alors on remonte. Et je crois qu'on fait la dernière charge. Ça va chauffer. Quoi, vraiment? Ah. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille, donc on va aller là-bas. Ok, allez, on est parti, on fait tout péter. C'est bon? Filons vite d'ici. Oh, tu crois? Oh, tu peux rester? On se casse! Han Solo. Mon fils. Tu vas m'aider? Oui. Merci. Bon, ils ont bien atténué la mort d'Han Solo. Sur la cible et détruisez ce que vous pouvez. Ils ont bien rendu à friendly, on va dire. Il faut affaiblir leur défense. Escadron Red, Escadron Blue, à vous tuer. Bien reçu, capitaine. N'oubliez pas que quand le soleil aura disparu, l'arme sera opérationnelle. Mais tant qu'il y a encore de la lumière, on a notre chance. Mon Dieu. Continuez comme ça et donnez tout ce que vous avez. Tu es
leurs canons ont été détruits. Très bien, on continue. Maintenant, on s'occupe du reste. Comment ça va, Asti? Ma foi, ça va plutôt bien. On tente reprendre du ciel. Attention, tir ennemi. Ça. Attention. Ok. On retourne. Toutes les tours ont été détruites. Ok, ça c'est fait. Black Leader, je vois un trou dans l'oscillateur. On a réussi. Les portes de l'oscillateur sont ouvertes. À tous les équipages, je rentre dedans. Go! J'adore les courses poursuites dans les tranchées. Il y a des trucs à mon petit compte. On peut pas se permettre de te perdre. On a eu un lit. Tant pis. Par là. Traître! Oh, oh, oh. Hein? Ce sabre laser, il m'appartient, il est à moi. Viens le prendre. Ok, on est parti contre Kylo Ren. Non, je suis en train de vous remettre la caméra. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Ni Han, ni toi. Deuxième fois que je tiens un sabre laser et je me bats déjà contre Kylo Ren. Tu parles d'un apprentissage? Aïe. Affronte-moi. Laisse-moi mettre un terme à ta misérable existence. Aïe. Oh, et oh, tu te calmes. Je sais pas encore bien manier ce truc, alors sois sympa. Tu ne mérites pas de porter ce sabre laser. Donne-le-moi. Oui, pas encore. Ok, j'aime beaucoup le sabre de Kylo Ren, pour le coup. Il veut que nous le suivions. C'est certainement un piège, mais on n'a pas le choix. Alors non, c'est pas certainement un piège. C'est un piège. Ok, bon. Ça m'étonnerait qu'on arrive à 100% les 20 ans. Je vois ses empreintes. Il est parti par là.
Tac là. Ben non. C'est vraiment nul. Allez. Allez, 100% pièce quoi. Bon, il devrait caler, je pense. Oh, quoi que c'est pas sûr. Une pilleuse d'épave et un traître. Bande de minables. Donc ouais, on n'a pas la scène où ils sont au courant que... Cette planète est en train de s'effondrer. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Que Rey et... Enfin, que Finn, pardon, est avec eux. Ouais, est un méchant de base, en fait. Mais bon, encore une fois, pour tirer Finn. Nous allons régler ça entre nous. Han Solo ne te sauvera pas. Donne-moi mon 100% pièce. Ouais, même les esquives, on sent qu'il a du mal. Allez, dernier coup. C'est impossible. Tu peux parier. Finn. Allez, on maîtrise la force nous aussi. Ce sont ceux qui ont détruit la base. Piège. Merde, bien. Au revoir. T'es sûr que ça va, Finn? Oui, ça va, mais nous devons l'arrêter. Il faut trouver un moyen de passer. Comme ça? Moi, je veux dire... Wow. Le lance-filet. Cible en vue. Allez. Allez, il est temps d'en finir. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est toi qui fuis. Sauf erreur. Imagine ce dont tu serais capable avec un peu d'entraînement. Abattez-les. Raté. Ah,
Allez. Encore un peu. Aïe. C'est bon. J'ai froid. Il te faut un guide. Je peux t'enseigner la voie de la force. Ouais, mais on n'en veut pas trouver les deux. Eh bien, je me demande ce qui lui prend. Bon, bah voilà. Et donc, on va pouvoir terminer maintenant. On a fait tous les niveaux. Il a quelque chose à nous montrer. Du réveil de la force. Bébé 8, je doute sincèrement que R2 détienne le reste de la carte en mémoire. Mais bien sûr que si. Ça alors. Allez. C'est parti. R2-D2 est peut-être porteur d'une bonne nouvelle. Montre-moi. Eh, très bien, mon pote. Attends. La carte, elle est complète. Luc, je vais partir. Avec Chewie et le faucon. J'irai retrouver Luc. Go! Go! On est reparti retrouver Luc! Le jeu a planté. Rebon. Espérons que ça ne crache pas. Bon, c'est quoi, je vais y aller comme ça. Espérons que ça ne crache pas. Bizarre que ça crache. Bon. Première fois que ça fait. What? Ok, bon, je me suis TP dans la galaxie parce que ça marche pas si quand je me TP directement autant. On va tester comme ça. Est-ce que je peux y aller ou ça va crash? Ça crash. Je peux pas aller au temple. Ok, on dirait que j'ai réussi à faire débugger la zone. On va voir. Si j'ai réussi, je vous explique comment faire. J'ai fait débugger la zone. Ok. Pour ceux. Alors, en fin de compte, pour ceux qui auront le même problème que moi, c'est en fin de compte. R2 reste ici et surveille le faucon. Une mise à jour qui n'est pas passée. Ce qui fait que vous allez dans votre lanceur d'application, enfin, là où vous avez tous les jeux, vous faites. Vous allez dans votre bibliothèque, tout simplement. Vous faites clic droit sur le jeu. Vous faites propriété. Vous allez dans fichiers locaux et vous faites vérifier l'intégralité des fichiers du jeu. Et ça va vous proposer et ça va vous porter mise à jour. Et moi en fait c'est ça qui est planté. Donc voilà, là ça marche, tant mieux.
Et donc du coup on va pouvoir finir. Moi je commence à paniquer parce que je me suis dit ouais mais à la limite, s'il n'y a que la scène qui va se trouver sur internet, ouais, ça nous bloque le prochain chapitre, ça nous bloque celui d'après. Donc bon. Heureusement, c'est pas buggé, c'est pas. Enfin, un bug comme ça, je pense que ça se fait très vite patch. Mais bon. On continue du coup. Luke Skywalker. Bon, elle est connue, cette scène. Je crois qu'elle était déjà dans le réveil de la force. Ah non, dans le réveil de la force, il y avait une moustache. Ça a l'air bon, on a fini. Voilà le réveil de la force. Donc c'est pour ça qu'on est taboré vraiment vénère parce que on était vraiment à la toute fin. Donc voilà. J'espère en tout cas franchement sincèrement. Bon du coup voilà, il nous manque. Bah je te dis, il nous manque rien. J'allais dire il nous manque le résumé, mais même pas. J'espère en tout cas du coup franchement sincèrement que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il y aura pas de retard. J'espère qu'il y aura. Enfin. J'espère que je vais pouvoir tout faire parce que mine de rien avec ce problème j'ai pris mal de retard moi. Et il faut savoir que le bug que je viens de vous dire, je ne l'ai pas vu référencé en fait. J'ai entendu des gens qui parlaient du premier niveau où ils avaient des bugs. Des bugs de mur. Enfin il faut exploser un mur et le mur est inexplosable. Mais ce bug là je ne l'ai pas vu. Donc bon, si au moins je peux t'expliquer comment le corriger si besoin. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se donne rendez-vous du coup dès demain pour la suite de notre aventure sur Lego Star Wars, la saga de Skywalker. Prochain coup, on s'attaque du coup au dernier Jedi. C'est ça. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne, la vidéo ou la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir. Merci à tous ceux qui le feront, c'était Para. Salut tout le monde, allez, bye bye tout le monde. Salut, ciao tout le monde, allez, bye, ciao tout le monde.